honneur. Oui, votre honneur. Voici la fille dont je t'ai parlé. Oh, je vois. Et aussi, elle est très très belle. Quelle belle créature. Ma chère, bienvenue dans notre famille. Merci beaucoup. D'où viens-tu dans ce royaume? Je viens de Umwale, dans le village de Omonkoli. Et de quelle famille, pour être exact? Mes parents sont Mazé et Oya Dukakoro. Madoka. C'est Madoka. A-t-il de lien avec Icho Dokoro? Oui, Onou. Mon père était le grand frère de Chadiokoro. Il est mort juste 3 mois après la mort de mon père. Je vois. Et avez-vous aussi de lien avec Mazo Jaco? Oui, il est vraiment très proche de ma famille. Oh, c'est très tragique. Oh non. Es-tu au courant de ce fait et la famille dont cette fille est issue? Oui, Igwe, je sais que... Je sais que sa maman est morte le jour de sa naissance. Ainsi, son mari, qui était resté en vie, est mort un temps après. Et quelques mois plus tard, l'enfant dont il était question était mort aussi. Mais je n'ai jamais su que cette fille-là, dont on parlait ici, était aveugle. Très bien, j'ai très bien compris. Il faut que nous cherchions tous de l'aider de sortir de ses ramifications. Dans toutes ces ramifications, veut dire? Oumoumou, s'il te plaît. Au présent. As-tu trouvé une quelconque vérité dans tous ces mensonges qu'elle a dites? Lolo. Ne sous-estime personne à nos jours. Parce qu'en fait, rien ne leur est impossible. En effet, le viol est la plus petite chose qu'elle puisse faire. Donc, je pense que j'ai de la croire. Mon roi, n'es-tu pas effrayé? Essaie un peu de comprendre. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Sa mère est morte, son père également, son oncle également. Qui peut savoir si tous ses cousins sont aussi morts? Et tu veux l'emmener dans ses palais pour qu'elle nous tue tous? Je ne suis pas prête à mourir jeune, et je ne suis pas non plus prête à perdre mon cher mari. Et ses plans, de la prendre en mariage, ne marchera pas. Mais qui combats-tu? Pourquoi es-tu en train de divaguer? Pourquoi es-tu en train de sauter de partout comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Es-tu une étrangère dans cette maison, quoi? Écoute, laisse-moi un peu te dire. La situation que nous avons présentement en main demande que nous prenions toutes les chances. De quelle situation es-tu en train de parler? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Non. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Écoute, as-tu déjà oublié que nous avons été déclarés médicalement capables de porter des enfants? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Pendant beaucoup d'années, nous n'avons pas été capables d'avoir un seul enfant. Et maintenant, toutes les chances, il faut que nous le prenions. Parce que nous n'avons pas été capables d'avoir notre propre enfant, est-ce que cela veut dire que tu dois aller vers elle? Je t'avais suggéré une option, qu'on aille adopter. Allons simplement adopter pour ne pas te mettre dans ce genre de situation. Suggestion aveugle. L'adoption, c'est un nom pour moi. C'est un nom en majuscule. Écoute, c'est aussi toi qui m'as suggéré de prendre une autre femme. Et maintenant, la question qui se pose est que qu'est-ce qui te rassure que si j'amène cette femme ici dans la maison, au travers de toi, que ce qu'il se passe maintenant dans cette maison ne va pas continuer d'arriver?
Cette fille, elle n'est même pas qualifiée d'être la femme d'un malade. Que dire d'un figure royale comme toi? Un roi, pour l'amour de Dieu! Sais-tu ce qui la qualifie? Tout ce que j'essaie de dire est qu'elle, elle ne sera jamais ma co-épouse. Tu ne vas jamais l'épouser! Est-ce que tu sais ce qui la qualifie? Elle a déjà un enfant avec elle. Alors, je vais l'épouser. On verra bien. Je suis là. Votre Majesté, s'agissant de la question que vous m'avez posée, un enfant adoptif ne peut jamais accéder au trône d'Abumana. Donc, vous avez le plein droit de vous trouver une deuxième femme. J'ai déjà planifié de prendre une deuxième épouse. Et cette personne est bien Vera. Hein? La fille aveugle qui est enceinte. Comment? Quoi? Comment? Non mais, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette fille? Pourquoi cette fille aveugle au milieu de toutes ces femmes dans ce royaume? C'est moi seul qui maîtrise bien toutes les raisons. Comme un homme, je suis libre de mener ma vie de la manière qui me convienne le plus. Nous avons déjà des résultats médicaux qui disent que cette fille porte un bébé garçon. Alors, je veux savoir. Peu importe les circonstances de la conception de cet enfant, est-ce possible qu'il soit un jour sur le trône de ce royaume? Oui. Oui, c'est possible. Mais vous devez discuter de ceci avec Lolo. Ono, ce dont nous parlons ici, c'est ce que la tradition nous permet de faire. Et non ce que ma femme, la reine, va dire. Ma question est, est-ce que ce garçon peut hériter le trône quand je ne serai plus là? Oui. Quand un homme se décide de prendre une fille comme épouse, ils deviennent un, même le sang. Lorsqu'une femme porte un enfant dans son ventre, le petit partage le même sang avec sa maman. Ainsi, la femme partage son sang avec le père. Cela signifie que le petit enfant partage le même sang avec le mari. C'est ce qui explique le fait que cet enfant soit vôtre. Et si finalement, cet aveugle donnait naissance à un garçon, donc ce garçon sera vôtre. Et aussi, par-dessus tout, le fils de ton premier lit. Et voilà que la tradition le permet. C'est très bien. Dala, c'est tout ce que je voulais savoir. Termine ici et allons dîner. Igwe, je vais partir avec ça, non? Alors, je vais bientôt savourer les bons repas. Onowu, es-tu informé que mon mari a un plan secret de prendre en mariage cette fille grosse et aveugle? Es-tu d'accord? Pourquoi pas? Ce n'est plus un secret. Bien sûr qu'il me l'a dit. Et il m'a aussi demandé par-dessus si ce n'est conforme à la tradition. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien sûr que je lui avais dit oui.
quand j'ai voulu lui dire non, il avait décidé d'aller adopter cet enfant. Laquelle tradition dit qu'aucun enfant adoptif ne pourra accéder au trône de notre royaume? Oh non! Pourquoi vous l'avez dit oui? Parce que la tradition... Pourquoi l'avoir encouragé? Pourquoi devrais-je? Il est en ordre avec la tradition, là. Donc, vous l'encouragez de prendre un sang qui ne lui appartient pas comme son enfant? Non. Ce n'est pas comme ça que je dois comprendre ça. Alors dites-moi, faites-moi comprendre parce que vous me rendez folle. Et tu le feras à tort. Écoute, s'il épouse légalement cette femme, cet enfant deviendra automatiquement sien. Un enfant dont le sang est celui de la mère, cela veut automatiquement dire que ça appartient au père. N'importe quoi. Mais je lui avais dit une chose. Je lui avais conseillé qu'il doit s'assurer qu'il avait déjà discuté de ce problème avec toi avant tout. Oh non, tout ceci n'est que du n'importe quoi. Tu étais déjà informé de tout ceci, mais tu me dis toutes ces bêtises maintenant. Moi, oh non. Oh non, tu dis des bêtises. Dire des oui, bêtises. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Et d'ailleurs, tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles, oh non. Moi. Tu auras vraiment de mes nouvelles. Hey. Moi, oh non. Tu auras de mes nouvelles. Hein? Dire des bêtises. Et même le père de ton mari, Izibukwe, ne pourrait jamais me tenir ce genre de propos. Mais regardez-moi cette petite fille que j'ai toujours protégée. Tu as l'audace de venir ici dans ma résidence pour me tenir ce genre de propos. Tu verras. Ah, d'accord. Doucement. Oh, désolé. Vas-y doucement, d'accord? Jude. Oui, Majesté. Dès aujourd'hui, tu as le devoir de l'amener partout dans ses palais afin qu'elle s'habitue à cet endroit, d'accord? Oui, Majesté. Très bien, viens avec moi. Comme ça, viens avec moi. Vous voulez dire que vous prenez cette fille en charge? Oh oui, quand je revenais d'une visite, je l'ai vue en route, en train de mendier, alors j'ai décidé de lui poser quelques questions. J'essaie de voir qui était avec elle et j'ai décidé de l'amener au palais. Waouh! Mais cette fille est belle. Je veux dire, elle est vraiment belle. Elle est tout à fait jolie. Une très jolie fille. Oui. Mais, qui est cet homme qui l'avait rendue grosse et l'a laissée souffrir tout en étant aveugle? Ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont vraiment très méchants. Oui, les gens sont méchants. C'est bien. Alors, quel plan que vous avez pour lui? Plan? Peut-être, disons que les dieux ont un plan pour moi. Ouais. Comment? Je me suis renseigné et on m'a dit que je peux prendre une femme avec un enfant comme ma femme et quand l'enfant vient au monde, cet enfant peut me succéder. Ok. Ça va. Ne vois-tu pas que les dieux ont décidé de me faire un peu de bien? C'est bien. L'as-tu vu? Qui? Cette fille grosse, stupide et aveugle que sa majesté, ton ami, veut épouser. Oh, oui, je l'avais vu et également il m'a tout vraiment raconté. Alors, quel as-tu conseillé de faire? Qu'est-ce que je pourrais encore lui dire si ce n'est pas être en accord avec vous? Et encore, je vois qu'il faut faire ce qui est juste en préservant les principes de la tradition. À part la tradition, comment trouves-tu cette femme enceinte et aveugle? N'est-ce pas assez de la voir comme une figure royale
comment? Votre Majesté, honnêtement, nous ne pouvons pas nous épargner de la tradition dans cette situation. Je vous dirais que, à mon avis, je partage mon opinion avec vous en ce sens que ces problèmes devraient être résolus. Que entre vous et les rois seulement? Pas une autre personne. S'il te plaît, j'ai besoin d'une faveur venant de toi. Ok, ok. Je vous écoute, ma reine. Je veux que tu puisses parler à Sa Majesté, ton ami. Demande-lui d'arrêter tous ses plans de prendre en mariage cette fille aveugle et enceinte. Votre Majesté, il a déjà pris sa décision. Ok, et il n'y a rien qui peut faire à ce qu'il change sa décision. Quiconque osera de parler avec lui, il sera son grand ennemi. Ok? Mais permettez-moi de poser la question. Pourquoi ne les permettez-vous pas? Parce que vous deux, vous cherchez l'enfant vu la condition actuelle. Aussi, vraiment entre vous deux, médicalement, ces problèmes devraient être déjà résolus. Et à ce stade que nous sommes maintenant, la tradition lui autorise à le faire. Nous ne sommes pas en train de parler de la tradition ici. Nous parlons de la royauté. Cette fille ne sera jamais ma co-épouse. Tu vois, cette stupide fille aveugle et enceinte ne sera jamais ma co-épouse. La deuxième dans ce palais, elle ne sera jamais. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez plus de raisons de continuer à souffrir. Je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. S'il vous plaît, Votre Majesté, je prends congé de vous. Il est juste. Oh mon Dieu. On verra ça. Igwe, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Je suis son oncle. Je me positionne comme son père. J'ai vraiment de la pitié pour elle. Je veux dire, c'est quel genre d'homme comme ça qui peut la violer dans l'état dans lequel elle est? Igwe, c'est ça le problème. C'est ce qui pose problème, Votre Majesté. Y a-t-il un moyen par lequel tu peux remonter jusqu'à l'idiot qu'il a fait? Igwe, j'ai beau chercher tous les coins de ce village, cherchant cet idiot. Je n'ai pas pu le retrouver. J'ai fait de mon mieux. Vraiment, j'aurais souhaité l'attraper. Alors, c'est de moi de la chance. Vraiment. Comme tu le sais bien, je suis un peu intéressé par elle. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, la tradition ne soutient pas le fait que je la prenne pour deuxième épouse, étant donné que l'enfant qu'elle porte n'est pas mon sang? Igwe, permettez-moi de vous dire ceci. Il n'y a personne qui avait donné du tout la dot. Il n'y a personne qui avait donné à ma famille quelque chose. Comment je peux dire, je vais discuter avec quelqu'un, soit retourner la dot? Et la tradition dit que quiconque on a payé sa dot, peu importe qu'elle soit enceinte ou pas, automatiquement, la mère et son fils lui appartiennent. C'est ce que nous devons faire dans cette situation. Nous faisons uniquement ce que dit la tradition. C'est bien que tu comprennes pourquoi je t'ai invité ici. Igwe, je sais, la vraie décision sera prise entre vous et elle. À ce qui concerne la tradition, vous êtes libre. Très bien. Igwe, cela me rappelle quelque chose. Permettez-moi de vous poser la question. Vous avez peur de quoi? Vous hésitez? Pourquoi? Sa mauvaise condition. Je n'arrive pas à comprendre. Tu veux savoir? Igwe, je vous en prie, dites-moi. J'ai besoin de le savoir.
Oh. Alors, Tim. Votre Majesté demande à ce que tu sois sa deuxième femme. Je ne sais pas encore ses raisons. Qu'est-ce que tu peux dire? Oncle, c'est ce que j'ai toujours voulu. Du moins, ça va nous sortir de cette pauvreté. D'ailleurs, j'ai commencé à l'aimer. Et la seule chose que je peux apporter dans ces palais, c'est l'abondance de mon amour. Au regard de ces problèmes que tu faisais semblant tout en étant aveugle, comment tu vas résoudre cela? Oncle, j'espère que tu les as pas dit que je suis pas aveugle. Oh, Tima, pourquoi je peux le lui dire? Vraiment, tu penses que je suis fou? Non, je ne peux pas le faire. Je lui ai dit, tout ce que je lui ai dit, c'est dans ta faveur. Ok, juste laisse-le croire en moi et tout ira bien. La seule chose qui me bloque, c'est la reine. Je pense qu'elle ne veut pas de moi au palais. Écoute, la reine, tu dois être prudent envers elle. Laisse-moi te demander. Est-ce que vraiment tu aimes votre majesté? N'évoque aucune raison. C'est un homme bien. Je pense qu'il a hérité la royauté de son père. Oui, je l'aime. C'est bien. Juste sois prudente. Tu peux également lui demander pourquoi il t'aime. Oncle, je crois que tu connais déjà la réponse. C'est bien. La réponse est simple, c'est à cause de ta beauté. Prends soin de toi. Suis ce qu'il dit. Et tout ira bien. Bienvenue à vous tous ici. Igwe. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à vous tous que je suis prêt à prendre une deuxième femme. Oui, et je sais que vous êtes sûrement demandé pourquoi je suis resté silencieux quant à ce sujet pendant très longtemps. Mais les dieux ont finalement répondu à ma prière. Et voici avec nous Vera. Et elle est avec son oncle. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Merci, votre majesté. C'est bien elle que je suis sur le point de prendre pour deuxième femme. Je veux tous appeler ici afin de vous le faire savoir. Parce que vous êtes mes proches collaborateurs. Y a-t-il une question? Igwe, pas du tout. Vous avez tout dit. À présent, la chose que je peux dire est que je suis un homme heureux. Merci beaucoup. Alors, va chez toi et dis à tout le monde ce que je dis ici. Je les ferai. Je vais les atteindre au travers de toi. Merci beaucoup. Votre Majesté, est-ce que je pourrais au moins avec ça... C'est quoi ton problème? C'est bon. Merci à tous d'être venus. J'apprécie beaucoup cela. Merci, merci Igwe. Igwe. Cela n'arrivera jamais. Pas dans cette vie. Et vous devez passer sur mon cadavre. Il faut que tu meures d'abord. Et qu'est-ce qui doit arriver? Que tu puisses épouser cette fille enceinte et aveugle. Jamais. Tu vois... Ton attitude ces derniers temps fait que je te regarde et je me demande si ce n'est pas toi qui est l'ennemi dans cette maison. Comment oses-tu? Comment peux-tu dire une telle chose dont ça serait un sujet de joie pour toi si c'est sous mon règne, toute ma famille, tout mon peuple n'aura personne qui pourra me succéder à cause de mon incapacité d'avoir d'enfants quand je serai parti. Ça ne marchera pas pour toi. C'est bien toi qui m'as donné deux options. La première, d'avoir une autre femme. Deuxièmement, d'adopter un enfant. J'ai adopté l'option de prendre une deuxième femme et
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? As-tu déjà oublié que tu m'avais fait la promesse de ne pas épouser une deuxième femme? Et si ça devait être le cas, c'est moi qui devais choisir cette femme. Pourquoi veux-tu maintenant échapper à ce qu'on s'était convenu? Pourquoi? Pourquoi es-tu si méchant? Tu oses crier sur moi seulement parce que tu es ma femme. Mais je trouve que cela va arriver pendant que tu es encore en vie. Voyons si cela va arriver. Monsieur, votre chambre est prête. Oh, c'est déjà prêt? Ok, merci beaucoup. Salut, votre majesté. Tu peux garder tes salutations pour toi-même et écoute-moi attentivement. Sais-tu ce qui est bien pour toi? Bien sûr, je sais ce qui est bien pour moi. Je ne suis pas du tout un gamin. Vous me prenez pour qui? Je ne le pense pas. Parce que si cela était le cas, vous allez quitter demain. Et après, vous irez dans tout le village. Vous devez, je dis bien, devez aller avec cette fille qu'on a engrossée. Ta sale nièce aveugle. M'as-tu comprise? Ah, votre majesté, je ne comprends pas. Je pensais que c'était un accord entre... Il n'y a aucun accord. Tu dois retourner avec elle. Parce qu'elle n'aura pas de chance ici. Où est-ce qu'elle devrait aller vivre? Elle restera une aveugle, sans espoir, sans classe, inutile. C'est là où vous êtes situé si vous ne le savez pas. Hey! Ceci est un avertissement que vous devez prendre en considération, bien qu'elle est dans cette maison. Mais votre majesté, le roi a dit... Il n'a pas de mais. Considère ma parole et va avec elle. Sinon, tu ne vas pas aimer notre prochaine rencontre. Excuse-moi. Ma nièce est traitée comme... Inutile, aveugle, stupide, folle, sans valeur. Le feu du Saint-Esprit va te consumer. Elle me prend pour qui pour me dire toutes ces bêtises? Alors tue-moi. Est-ce que tu serais en sécurité ici? Je veux dire dans ces palais. Oh, oui, oncle, je le ferai. Je peux dire que je serai en sécurité, même à 100%. Pourquoi tu as demandé? Je ne sais pas comment tu vas vivre ici avec Sa Majesté, la Reine. Que veux-tu dire? Dis-moi, pourquoi tu demandes? Ah, parce que cette femme m'a sérieusement averti. Et elle m'avait instruit de te faire déplacer de cet endroit. Sinon, quelque chose de mal peut arriver ou m'arriver. Et je vais partir d'ici demain ou après-demain. Es-tu en train de parler de la reine? Oui. Cette femme est méchante. Elle est brutale. Elle est prête à faire n'importe quoi. Elle avait dit, si je ne te déplace pas d'ici, elle ferait ce que quelque chose de mal t'arrive. Je ne veux pas quelque chose de mal t'arrive, s'il te plaît. Je ne veux pas. Oncle, ne t'inquiète pas. Je vais bien, tout ira mieux. Hein? Rien ne va m'arriver. Ok. Je crois que c'est pour une bonne raison que le Dieu m'a ici. J'aime ta réaction. Et je prie que tu sois bien. Mais sinon... Pourquoi pas ne pas rentrer avec moi à la maison, continuer avec les cris des prières? Oncle, ne t'inquiète pas. Le cri de nos prières ne passe pas en vain. Juste sois calme et attends voir le miracle de Dieu. Pour l'instant, va à la maison, relaxe-toi et dors tranquillement. Je suis très fier de ma fille. Je prie que ce soit ainsi. Je prie que cela se réalise. J'en ai vraiment sûr. Vraiment, vraiment sûr. Comme je t'ai dit, les gens de chez moi seront là dans au plus 2 jours. Ils seront là pour faire tous les préparatifs du mariage et tout ce qu'il faut pour prendre une femme comme épouse. Merci beaucoup, Igwe. Merci beaucoup. Nous attendrons. Il n'y a pas de quoi. Dis aussi à tout le monde là-bas que votre fils se porte bien. Merci, votre majesté. Merci. Très bien. Je prends congé de vous. Très bien. Igwe. Que les dieux te guident. Ici.
C'est clair que ta nièce peut entendre mais ne peut pas voir. Pourquoi tu peux voir mais tu ne peux pas entendre? Comment? Je ne comprends pas. Tu pars en laissant ta stupide nièce là à l'intérieur. Point de correction. Ma nièce n'est pas stupide. D'ailleurs, votre majesté n'a jamais donné une telle instruction. Je vois que tu préfères revenir prendre sa dépouille, tôt ou tard. Je les rejette en bloc. Les dieux de nos ancêtres ne permettront jamais qu'une telle chose arrive à ma nièce. Fais attention, femme. C'est la beauté de ma nièce qui attraye les rois. Ah, ah, c'est quoi, hein? Onou, as-tu essayé de comprendre tout ce qui se passe dans le palais? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Sa Majesté dit concernant cette fille qui nous a présenté là-bas au palais? Tu sais, quand on était allé les voir là-bas. Ikenga, étais-tu mort? Ah non, je ne suis pas un mort. N'étais-tu pas là quand Igwe nous présentait cette fille aveugle? Et aussi, quand nous sommes tous allés accompagner Igwe lorsqu'il devait payer la dot, n'étais-tu pas là? Et qu'est-ce que tu me poses comme question? Fais attention. Oh non, je veux comprendre ce qu'il y a au juste. Cette fille en question, elle est enceinte et aveugle. Et qu'est-ce que ça dérange? Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas du tout bien. Pour que Sa Majesté descende aussi bas, en allant épouser cette fille aveugle, c'est quoi ton problème? Je sais juste mettre un avis et tu deviens agressif. Ikenga, c'est ce genre de questions que tu es en train de poser? C'est tout ce que tu peux dire vraiment? Juste ça? Et laisse-moi te dire que la réponse à toutes ces questions vient de Dieu. Même Igwe ne peut pas en parler. Ne me pose plus ce genre de questions. Mais c'est quoi ton problème? Je sais juste de mettre un avis et tu deviens agressif. Mais c'est quoi ton problème? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce pour boire ou de parler du palais? Maintenant, c'est à chaque fois que tu viens ici, tu veux qu'on parle du palais. Fais attention avec moi, je suis plus d'accord avec toi. Et tu es en train de me demander. Ne le répète plus, c'est quel genre de bêtise? Tu vois maintenant ton mal? C'est moi qui devrais te demander. Tu vois maintenant ton mal? Même quand j'ai besoin de me reposer, ce sont des problèmes que vous m'amenez, et spécialement toi. Tu ne me laisses jamais me reposer. Est-ce que je suis celui qui t'est là à donner? Écoute. Dégoche, Igwe, nous regardons ceci, c'est là. C'est quoi le problème? Mais... Et tout ça sur ma tête. C'est quoi ça? Laisse-moi parler. Si tu es fatigué de cette charge, tu n'as qu'à la déposer. S'il te plaît, ne me cherche pas. Quel que soit le poids que tu es censé porter, va le déposer sur la route. Tu le portes sur ta tête. Si je dois me rendre à un endroit pour faire quelque chose, arrête tout ça. Arrête tout ça. Il est temps que nous nous occupions de nos affaires. Arrête de parler de tout ça. Occupons-nous de nos affaires. Tu es comique. Je crois que c'est très important de passer du temps ensemble avec toi. Tu sais qu'on est amis avec toi. Des années, non? Oui, mon cher, finissons d'abord ces poissons, finissons ces bouteilles, ça doit finir. C'est intéressant. Profitons de ce moment, arrêtons de parler des affaires du palais. Merci beaucoup. Présent. Ok, dégâts. Nous nous sommes dit que c'est important de venir te voir. Oh, regardez-moi ce beau monsieur. Oh, regardez-moi. Onou. Ichi Ozone. Les grands Onou. Ichi Kenga. Oui, c'est bien moi. Content de vous voir. C'est un très grand plaisir. Je suis vraiment honoré. Onou, à tout moment vous nous demandez, nous allons très bien. Oui. Et même si tu n'es pas servi, ce n'est pas un problème. Oh non. Pourquoi tu deviens toujours comme ça? Chaque jour, tu nous poses que la même question. Votre honneur. Ezena, oublie à propos de cette question. Que ce soit qu'on ou de toute façon, ce n'est pas important que j'aille loin. Allons-y droit au but, s'il te plaît. Dis-lui pourquoi nous sommes venus le voir. Nous voulons savoir. Nous sommes venus de demander une chose. On va le faire quand il est encore chaud. C'est ça en tout cas. Et c'est le moment de trouver une bonne solution par rapport à cela. Nous voulons savoir. Nous avons bien entendu ce que les majestés nous a présenté. Et qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Je crois que tous nous étions là quand il nous avait dit que il devrait aller payer tout ce qui a trait à la tradition pour le compte de la fille enceinte. Vera. Et il s'était décidé de se faire accompagner par tous les membres du cabinet et tous ces gens-là, d'accord?
Donc nous irons l'accompagner à payer, arriver à payer et toute la dot. C'est comme ça. C'est pas plus que ça. Donc il veut vraiment épouser cette fille. Ah, ça fait quoi? C'est la tradition, non? Ça l'admet. Mais c'est tout. Une femme enceinte. Et qu'en est-il de ça? Et aussi aveugle. Oh non, aveugle. Je vous pose une question. Y a-t-il un point dans cette tradition sur notre terre que nous vivons ou dans une coutume dans notre royaume qui empêche aux femmes enceintes et aveugles de se marier? Je veux savoir une chose. Parmi toutes les filles de ce royaume, tous ces royaumes, même au village, c'est la femme aveugle enceinte que les majestés veulent épouser. Et tu ne trouves pas quelque chose de mal à ça? Et telle est sa décision personnelle. Et il n'y a aucun droit de demander à quelqu'un ce qu'il doit faire. Vous comprenez ça? Il a pris une décision personnelle concernant son mariage. C'est à toi qu'on a forcé d'épouser une aveugle? Est-ce toi qu'on a forcé à épouser une femme aveugle? Est-ce ta femme? Non. Alors s'il vous plaît, ça c'est une affaire personnelle. J'ai discuté longuement avec lui. Je lui ai posé beaucoup de questions concernant cette affaire. Il a son esprit focalisé à poursuivre avec sa décision. Tel est son choix. Et il n'y a rien que nous puissions faire à propos de cela. C'est là que tu n'as pas compris. Sa femme est notre femme. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Arrête de dire ça. Comme je vous l'ai dit, il a le droit de choisir cette fille. Et personne n'a le pouvoir de l'éloigner. Ne le répète plus. Nous avons tout le droit de dire qu'il ne peut pas l'épouser. Sa femme est notre femme. Alors, regarde. Oh non. La reine, c'est la mère de tout le monde dans ce Exactement. Royaume. Et nous ne pouvons pas avoir une mère aveugle. Il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont je regarde le sol, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais vraiment vous demander, vous deux, qui est en train de dire ainsi. Vas-y. Y a-t-il quelque part dans notre tradition qui empêche à une femme enceinte ou une aveugle de se marier? J'ai aussi trouvé la question pour toi. Y a-t-il un endroit? Notre tradition demande ceci, qu'une personne épouse une femme enceinte et aveugle. C'est juste parce que... Voilà. Tu sais pourquoi je te demande ça? Sais-tu pourquoi je te pose cette question? Pourquoi je suis en train de te dire sais-tu ça? Pourquoi je te pose cette question? Faites attention. Vous touchez à la queue du lion. Non. Ça, c'est une affaire personnelle. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous deux. Oh non. J'étais en train de me préparer à une réunion, hein? Une réunion importante. Oh non, cette histoire ne finira pas comme ça. Oh non, c'est un problème de la communauté. En tout oh cas, non, c'est le problème de la communauté. Aucun roi n'a épousé une femme aveugle. Comment est-ce qu'il peut être le premier à épouser une femme aveugle? Et il vient encore nous rajouter d'autres problèmes. Je ne vois rien de mal dans ça. À moins que vous me prouviez le contraire. Je ne vois rien de mal dans ça. Laissez-moi vous rappeler. Avant que vous ne veniez, je me préparais pour aller voir Igwe pour une importante discussion. Vous n'êtes plus des étrangers dans ma parcelle. Vous connaissez où se trouve le portail. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez facilement prendre le portail. Donc tu nous forces de sortir de ta maison. C'est ce que tu veux dire? Non, mais je l'ai dit. Est-ce que j'ai mis de l'eau dans ma bouche? Bien sûr que c'est ce qui est sorti de ta bouche. Ma voix est vraiment audible. Le portail est ouvert. Utilisez-le quand vous aurez fini. C'est soit que tu es faux ou tes mouvements sont faux. Bon, vous pouvez rester et faire ce qui bon vous semble. A plus. Maintenant, dis-moi, quelle est ta mission ici? Qui t'a demandé de venir et de détruire ce qui m'a pris autant d'années pour construire? Réponds-moi encore, pourquoi tu es venu ici pour me causer de la peine? Pourquoi? Et
pourquoi as-tu refusé de quitter ce palais pour moi? Pourquoi tu refusais de le faire pour moi? Toi, une femme enceinte! Sorcière! Quelqu'un peut me tuer! Oh, madame! Attends, mais qu'est-ce que vous avez? Allez! Oh, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, madame. Essayez de vous relever. Oh, ok. Ça va aller. Oui, ça va aller. Courage, madame. Qui l'a poussé par terre? C'est Sa Majesté qui l'a fait tomber. Pourquoi? Mais pourquoi? Oh, désolée, madame. S'il vous plaît, je suis désolé. Ça va aller. Oui. Enlevez la saleté. Ça va aller. Mettez-la là-bas. Là-bas. Votre Majesté, venez par là. Oui, doucement. Attention. Oui, doucement. Allons-y. Ok, ça va aller. Allez, doucement. Ok, comme ça. Voilà. Écoutez. Bon. Écoutez. Venez, venez ici. Toi, écoutez. Le roi ne doit pas savoir. Je dis, le roi ne doit pas savoir. Il ne sera pas du tout content. Nous serons obligés de tout t'expliquer. S'il y a quelque chose qui lui arrive, alors vous devez être trop prudente. Vous pouvez partir. D'accord. Je suis vraiment désolé. Prenez. Très bien. Je suis désolé. C'est évident que... C'est évident que notre majesté toujours méchante envers tout le membre de ce palais. Je sais même pas pourquoi elle fait ça. Mais c'est le moment qu'elle se mette en ordre. Parce que demain pourrait être son dernier jugement contre sa faveur pour tout ça. Je suis vraiment désolé. Tout va s'arranger. Alors vous voulez tous me dire que vous êtes ici, dans ce palais, et personne ne peut exactement m'expliquer ce qui est arrivé ici aujourd'hui. C'est ce que vous essayez de me dire? Ne vous ai-je pas dit de garder un œil sur elle et de bien veiller sur elle? Ne vous ai-je pas dit ça? Je n'ai pas dit ça. Et toi, Hugo, je t'ai personnellement instruit d'être partout avec elle dans ce palais. Que tu sois avec elle partout ici, jusqu'à ce qu'elle maîtrise tous les coins. Voilà maintenant. Maintenant, il faut que tu pries. Prie que rien n'est mal ne lui arrive. Qu'elle ne subisse pas une blessure interne. Vous tous ici, vous devez prier. Désolé. S'il te plaît, dis-moi, que s'est-il passé? Tu peux me parler, n'est-ce pas? Maintenant, vous tous disparaissez d'ici. Oui, votre majesté. Dehors! Oui, majesté. Ça va aller. Je vais appeler tous mes médecins. Ils viendront t'examiner et se rassurer que toi et les bébés vous portiez très bien, d'accord? Je t'aime vraiment beaucoup. Tu es entre les bonnes mains ici. Rien de mal ne va t'arriver ici. J'ai perdu ma propre fierté et joie. Que vais-je faire maintenant? Dieu de nos terres. Non, je dois faire quelque chose.
Maintenant, dites-moi un peu. Cette fille n'est pas assez bonne du tout. Elle est avec les Mouites en même temps. Qui est-ce que tu demandes, Oya Doudou? Ifoma. Ifoma, l'informatrice. Pourquoi tu nous demandes? Elle devait ouvrir sa bouche et nous dire tout ce qui lui avait arrivé. Oh. Donc tu veux dire que tu voulais qu'elle ouvre sa bouche et raconter à Igwe ce que Lolo lui a fait? Oui. Elle était censée dire la vérité sur ce qui lui est arrivé, au lieu de nous mettre dans le trouble avec le Sa Majesté. Non. Ne pense même pas à ça. D'ailleurs, la manière à laquelle elle avait agi était sage et parfaite. Si seulement elle avait raconté à Igwe ce que Lolo lui a fait, le palais aurait de gros ennuis en ce moment. Et ça allait vraiment chauffer pour elle dans cette maison. Ça allait vraiment chauffer pour elle, Lou. Ça allait vraiment chauffer. Mais sincèrement, la reine est vraiment mauvaise et très méchante. Regardez là où elle a mis cette pauvre innocente fille. C'est de la pure jalousie. Elle ne veut partager son nom avec personne. Mais comme tu peux le voir, ma belle, nous sommes déjà à la fin. Rien ne peut empêcher à Sa Majesté de faire ce qu'il fait en ce moment. Et personne ne peut changer cela. Personne ne peut le changer. Oui, ça c'est vrai. Mais ma question est celle de savoir comment un aveugle rend toujours notre reine colérique. Ma sœur, je pense à la même chose. Comment notre beau roi a choisi d'épouser une pauvre fille aveugle. Si elle ne voulait pas que le roi puisse prendre une autre femme, elle aurait dû dans ce cas lui donner des enfants depuis très longtemps. Exactement. Mais vous pensez que la faute revient seulement à elle? À qui d'autre tu veux l'attribuer? Qui d'autre? Dis-nous. Qui d'autre si ce n'est pas elle? Même si ce n'est pas de sa faute, il se pourrait que les dieux l'aient punie à cause de sa méchanceté. N'est-ce pas qu'elle est méchante? Bon, je ne sais pas, oh. Mais la vérité dans ce problème est que notre Sa Majesté est déjà tombée amoureuse de cette soi-disant aveugle. C'est vrai, je le confirme. Luffy, quant à moi, je lui souhaite bonne chance. Amen, oh. Informe l'informatrice, as-tu une autre nouvelle? Moi, en tant qu'informatrice, je ne plie de nouvelles. Donc, nous pouvons partir? Allons-y, okay, oh. Merci beaucoup. Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé hier. Et les rôles que vous avez joués pour maintenir la paix. Du fait de ne pas dire au roi exactement ce que vous êtes arrivé. Alice, c'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Alors, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je veux que tu le comprennes. Ok. Merci de m'avoir compris. Vous voyez, vous devez être prudente. Vous devez vraiment être prudente de tout ce qui vient auprès de Majesté. Si vous vous rapprochez d'elle, c'est évident qu'elle fera quelque chose de très mauvaise à ton égard. Dans ses palais. Elle n'est pas du tout bien. Je peux les sentir, mais tu n'as qu'à être là pour moi. Je veux dire, toujours. Tu sais, je ne peux pas manquer mes pas. Et tu connais tout le monde dans ces palais plus que moi. Oui, je sais. Et Sa Majesté m'avait dit d'être toujours là auprès de toi à chaque instant. Et pour la reine, je lui ferai comprendre. Ce n'est pas un bon comportement. Quand le temps viendra. Pour lui faire comprendre? Comment feras-tu pour lui faire comprendre cela? Vous savez, j'ai une information à utiliser contre elle. Elle sort avec un garde stupide qui vit ici dans ses palais. Elle a fait de ce monsieur son chauffeur personnel. Et il s'appelle Eva. Eva? Oui. Et tu as dit que le monsieur habite le même quartier que moi? Ah, oui. Mais vous ne les connaissez pas vu que vous ne voyez pas. Mais il s'est un peu déplacé. Il a été envoyé par la Majesté. Mais très bientôt, il sera de retour. Oui, je ne peux pas les connaître.
Mais je connais aussi une personne qui porte ses noms de Eva. De toutes les façons, ça ne me regarde pas. Oh, tu as dit que cette Eva a quelque chose à voir avec Sa Majesté? Oui, mais peu importe. Vous voyez, lorsque le temps viendra, je leur ferai savoir avec ces courages particuliers que je vous avais dit. Ok? Mais il faut savoir juste que je me tiens fortement derrière vous. Hein? J'aimerais un effort collectif venant de toi et aussi de membres du cabinet pour juste l'empêcher d'épouser cet aveugle. Ou tu es aussi d'accord à ce qu'il puisse l'épouser? Comment pourrais-je soutenir le roi dans une telle décision? Sachant très très bien que la fille en question ne correspond même pas au rang de Sa Majesté. Oui, maintenant nous avons le même raisonnement. Dans ces cas, faites de votre mieux pour l'empêcher. La seule personne qui puisse jouer un très grand rôle, c'est Dibou. Il est la seule personne que Sa Majesté peut entendre dans une situation pareille. Encore, de la manière dont se passe la chose, je crois que c'est Onowu et celui qui a mis en place tous ces plans pour que Sa Majesté aille chercher cette fille. C'est de cette manière que je l'analyse. Dans ce cas, extermine-les pendant que je vais m'occuper du roi. Hein? Exterminer? Oui. Tu veux dire tuer Onowu? Il veut tuer ma joie et ma dignité dans ce royaume. S'il te plaît, je continue à te supplier. Arrête de le prendre dans cette direction, c'est une abomination, s'il te plaît. C'est une parenthèse. J'ai besoin de me renseigner sur quelque chose. Oui, vas-y. Est-ce vrai que si mon mari l'épousait, son enfant serait automatiquement héritier du trône? Oui. C'est traditionnellement reconnu. C'est bon. Tu dois me promettre quelque chose maintenant. Et qu'est-ce que c'est? Tout ce que nous avions parlé ici doit rester entre nous. Personne d'autre ne doit entendre cela. Oui, c'est promis. C'est bon alors. Oui, je suis là. Salut. Je suis là. S'il te plaît, je veux que tu prennes ceci. À quoi est-ce que ça sert? Je veux que tu puisses éliminer Ono pour moi, s'il te plaît. Encore? Non, donc tu n'es pas toujours fatigué. Hein? Tu n'es pas encore fatigué. À ce sujet de tuer Ono. Non, je ne peux pas faire ça. Ok, je sais que l'argent est trop pour toi. Oui, je le sais, mais je vais le doubler pour toi. Je le ferai. S'il te plaît, aide-moi. Écoute, je suis un membre du cabinet de Sa Majesté. Ono est presque un ami et un frère. Je ne peux pas faire ça. C'est une abomination pour moi de penser à le tuer, ou peut-être, parlons mieux même, de le tuer lui-même. Ok. Je t'achèterai une voiture. Juste cite le nom de la voiture que tu préfères. Je l'achèterai pour toi. S'il te plaît. Aide-moi. Lolo, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, je ne peux pas. C'est l'argent que tu as jeté par terre? Thank you.
Votre Majesté, en quoi m'est chère cette visite inopinée? Je pense que tout va bien. Pour l'instant, tout va encore bien. C'est bien. Asseyez-vous alors. Oh non! Je vais bientôt partir. En quoi est-ce que je peux vous aider? Bonne question. Mazo Biako, combien puis-je te donner? Pour que tu empêches ta nièce à épouser mon mari le roi. Votre Majesté, cette opinion que vous avez, c'est une décision venant du roi ou de vous-même? Mais Sa Majesté mon roi, hors de tout ceci. Je suis ici pour l'intérêt de ta nièce et toi, et à la recherche de la paix. Oui, cette question sera répondue par Vera et non moi. Comme vous venez de dire que votre mari n'est pas impliqué dans ceci. Mazo Biako, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Pense-y. Eva? Mais comment tu es arrivée ici? Hein? Qui t'a emmené ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, c'est ici que tu te caches? C'est ici que tu te caches? Après avoir atteint ton but, tu as décidé de disparaître et aussi devenir garde de Sa Majesté? Je pense que tu es perdu et tu ne sais plus retrouver ta route. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Comment es-tu arrivé ici? Tout ce que tu as comme question, tu vas le répondre toi-même. Regarde là où nous en sommes. Ensemble, nous devons tirer au clair cette histoire. Est-ce que tu fais croire à tout le monde que tu es aveugle? Hein, Vera? De le faire. Je sais que je vais très bien le faire. Car c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Quoi, moi j'étais un bébé. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Est-ce que tu aimes? As-tu vu cette fille enceinte et aveugle que le roi veut épouser? L'as-tu vue? Qui? La voici qui arrive. Allons, ne me touche pas! Bonjour, Sa Majesté. N'ose plus jamais me saluer de toute ta vie, sorcière blanche.
A-t-elle dit qu'elle est aveugle? Oui, elle est totalement aveugle. Elle ne pouvait même pas voir que tu étais debout là. C'est ce qu'elle a dit? Je le sais et tu peux voir par toi-même. Elle est totalement aveugle. Mais c'est quoi son boulot et sa mission ici? Le roi l'a emmenée ici pour être sa deuxième femme. Oui. Juste à cause de ces bâtards qu'elle garde en elle. Bâtards? Oh, cette grossesse doit avoir un père quelque part. Mais c'est vraiment incroyable. Tu en connais le père? Je sais juste de grossesse ce que tu dis. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Ou tu en es responsable? C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Sa Majesté veut la prendre en mariage rapidement que possible. Et tu sais quoi? Ils ne verront que l'enfer. Quittons ici. Allons à l'intérieur. Dis-moi comment s'est passé ton voyage. Ça s'est bien passé, votre majesté. Et ta mère, est-ce qu'elle est stable maintenant par rapport à l'autre fois? Oui, elle va très bien, votre majesté. Elle vous envoie d'ailleurs ses salutations. Elle s'inquiète pour vous, votre majesté. Je suis heureux. Je suis heureux qu'elle se porte mieux maintenant. Merci. Et je te souhaite bon retour une fois de plus. Oui, votre majesté. J'aimerais profiter de cette occasion pour t'informer que nous avons ajouté une nouvelle personne ici parmi nous. Et comme tu as déjà bien pu voir, elle est aveugle et tu as vu sa condition. Alors tout le monde dans ce palais a reçu l'instruction de l'aider dans tout ce qu'elle fait ici. Spécialement à l'aider à maîtriser tout cet environnement. Alors, s'il te plaît, tu vas aussi aider. D'accord? Oui, aujourd'hui elle est peut-être juste comme vous. Mais demain, elle peut aussi être sa majesté. Oui, votre majesté. Tu peux disposer. D'accord, votre majesté. Alors? Votre majesté. As-tu besoin de quelque chose? Très bien. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me dire. Dites-moi s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous décidé de cacher votre identité à tout le monde? Et même à moi? J'étais choqué quand j'avais vu Eva. Vous parlez comme si vous voyez déjà. Je pensais qu'on était amis. Et je mérite de connaître la vérité. Oko, je suis désolée. Écoute, j'allais vraiment te le dire. Tu es tellement gentil avec moi, mais j'attendais juste les bons moments. Maintenant, qui êtes-vous? Je me suis fait passer pour une aveugle, juste pour trouver quelque chose à manger pour mon oncle. Alors, tout ce que je vous ai dit à propos de moi, ce n'est pas la vérité. C'est pour Eva. J'ai connu Eva, ça fait longtemps. Je le connais bien et il me connaît mieux que personne. Avec le temps, j'allais te faire savoir mon histoire avec Eva. Eva? Ce garde était vraiment votre ami? Oui, et ça s'est passé il y a longtemps. Ok. Est-ce qu'il a une mère âgée qui est sérieusement malade? Non, c'est faux. Ses parents sont morts il y a très longtemps,
comme le mien. Il avait eu un congé de 1 mois juste parce qu'il voulait aller voir sa mère qui était vraiment malade. Hugo, crois-moi, ça c'est du mensonge. Un grand mensonge. Personne ne connaît Eva mieux que moi. Regarde, écoute ce que je dis. Avec le temps, je vais te dire tout ce que tu veux savoir à propos d'Eva. Je serais vraiment ravi de connaître tout à propos de lui. Ok. Hugo, tu sais, Eva est la seule personne qui sait que je peux voir. Et maintenant, toi. Je sais qu'il ne peut pas être la personne qui peut m'exposer parce qu'il sait que je sais tout les concernant. C'est pourquoi je t'en supplie, Hugo. S'il te plaît, je veux juste que tu m'aides à garder ce secret. S'il te plaît, essaye de faire cet effort. Je sais que tu as été bon avec moi. Tu es maintenant mon ami. Je veux aussi que tu te rassures que le roi ne change pas d'avis sur le paiement de ma dot. Parce que je sais que la reine fera tout son possible pour le convaincre. Jamais. Vous êtes celle que le roi a choisie. Merci. Je vous en prie. Écoute, tout ce jeu que tu es en train de jouer doit cesser ici et maintenant. Oui, ça doit cesser. Ou sinon, je le dirai à tout le monde et je vais t'exposer. Que tu n'es aucunement aveugle. Crois-moi. Mais tu plaisantes. Toi et sa majesté, vous ne pouvez rien dire dans cette maison. Vas-y, dis-leur que je ne suis pas aveugle et je veux leur dire ce que tu as à voir avec sa majesté. Vas-y, pour ton info, j'ai la vidéo qui montre tout ce que vous avez fait avec sa majesté. Et moi aussi, j'ai la vidéo de votre rapport sexuel avec la majesté. Faites exactement dans ce palais. Et je peux même te dire la chambre dans laquelle vous vous êtes connu. Tu penses que je blague? J'ai même la vidéo dans mon téléphone. Je peux te même pas. Hein? Penses-tu vraiment que je suis content de tout ça? Toi et la majesté, vous conspirez et envoyez les servantes et les gardes pour rester seul. Très bien. Écoute, si tu essayes même de plaisanter en entrant à l'intérieur et de dire à tout le monde que je peux voir, je leur dirai ce que je vis dans ces palais et en dehors de ces palais. Et on verra bien qui sera le vainqueur de cette bataille. Pour ton intérêt, il serait mieux que tu gardes la bouche fermée. Garde la bouche fermée. Et observe ce qu'il va vraiment faire. Je suis de l'autre côté. Alors, Tim. Oncle. Ça évolue comment au palais? Oncle, je vais très très bien. Bien sûr que tout n'est pas facile, mais tout va quand même bien. Je sais que ça ne sera pas facile. Que le Dieu de nos ancêtres qui protège le palais puisse te garder. Il sait. Oncle, te rappelles-tu de lui? Oui. Au palais, le garde du palais, n'est-ce pas? Oui, oncle. Lui, c'est Hugo. Je veux que tu m'aides à lui remercier. Hugo m'aide tellement beaucoup. Il est la seule personne qui me comprend, il m'aide et il me conduit partout où je vais aller. Il connaît tout mes concernants. Hé, hey, Eya, mon fils, comment ça va? Merci beaucoup.
Que les dieux de nos ancêtres te guident. Il sait... Ma nièce. Mon oncle. La raison qui m'emmène ici, c'est pour te dire que j'ai trouvé Eva. Eva? Où? Au palais. Au palais? Comment ça? Je t'ai observé depuis quelque temps maintenant. Tu parais confus. Qui t'a offensé? Parle-moi, quel est le problème? Qui t'a énervé? Rien, Votre Majesté. Pas maintenant. Je te connais assez bien et je peux savoir quand tu es en colère. Depuis que nous étions venus de l'hôtel, avant que je ne quitte, tu parais toujours comme ceci et ce n'est pas bon pour moi. Je peux te dire que c'est moi qui suis supposée avoir cette humeur et cet air soucieux. Tu connais la position dont cette fille aveugle m'a mise. Allez, embrasse-moi s'il te plaît. Tu m'as tellement manqué. Arrête, elle arrive. Qui? S'il te plaît, ne t'occupe pas d'elle. Elle ne peut même pas nous voir. Elle ne voit rien du tout. Allez, fais-le. C'est ce que tu penses? Je le sais. Comment ça s'est passé, mon oncle? Très bien. Et d'ailleurs, il était très content. C'était très facile, oh.
Et ils sont accueillants. Ils ont accepté tous les cadeaux comme tu me l'avais demandé. Et voilà. Oui, c'est vrai. Il le devait. Alors, est-ce que tu as récupéré oui, la liste? Voilà. Igwe. Oui, et là est la réponse. Elle deviendra notre femme. Oh! Pas de problème. C'est fait. Eh! Considérons que c'est fait. Tiens ça, mon oncle. Oh mon roi! Longue vie à vous! Oui. Vous êtes un homme sage. Je sais très bien que le nom de notre famille n'allait jamais disparaître. Pas sous mon règne, en tout cas. Hey. Ça, c'est mon oncle, ça. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est de préparer les autres anciens pour le voyage. Hmm? C'est tout? Oui, c'est tout. Hey! Hey! Igwe! Agwana, vous me rendrez heureux. Ah, vraiment, nos dieux sont là. Vous me rendrez heureux. Ah! Hey, ce garçon ne va pas arrêter de m'émerveiller. Igwe. Oh non. Vous nous quittez déjà? Oui, je suis ok, déjà je vous ai apporté le pain. Oh non, je suis seule qui a fabriqué ce pain. Avec un ingrédient spécial. Qui est tellement bon pour un homme comme toi. Oh non, tu ne vas pas regarder comment ça se présente. Et goûte, rassure-toi. Tu vas l'aimer. Ceci est le pain que moi et le roi mangeons souvent, à cause de cet ingrédient spécial. C'est la royauté. Pain royal. Je suis aussi une personnalité royale. Oui, tu peux le redire encore. C'est vrai. Alors, qui suis-je pour ne pas manger? Et ce que me donne la reine. C'est vraiment très bon. Alors je t'en prie de... C'est parce que tu es ma femme, pas parce que tu es l'autre. Pourquoi pas? Je suis ta femme. Lola. Oh non, ou... Salut ta famille. Alors à toutes. Alors, c'est gentil de ta part. Un pain spécial venant de Lolo, la royauté. Oh non. Oui. S'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Laquelle, ma chère? Je ne veux pas que tu manges le pain qu'on t'a donné. Comment sais-tu que j'ai un pain? Je pensais que tu... En fait, je sais que tu es aveugle. Oui, je le suis. Je peux pas voir, mais... S'il te plaît, je veux juste que tu ne le manges pas. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ce pain, la royauté. Lolo a fabriqué ce pain particulièrement pour de vieilles personnes comme moi. Je sais, Onowu, mais ok. Achète-toi un autre pain, mais ne mange pas celui-ci, s'il te plaît. Ok, comme tu as dit que je ne mange pas. D'accord. Merci. S'il te plaît, prends cet argent. Non, garde l'argent. Garde ça, d'accord? Rappelle-toi que tu sais que nous viendrons chez toi pour payer ta dot et aussi pour remplir certaines formalités traditionnelles. Des prénoms légalement pour t'amener ici.
et tu feras partie de la royauté. Tu deviendras l'une de nous. Je sais, Honoré. Sa Majesté et mon oncle m'en ont parlé. Alors, je rentrerai à la maison après-demain pour préparer votre arrivée. Très bien, très bien. C'est bien. Chérie! Chérie, s'il te plaît, viens, le dîner est servi. Mon amour, vas-y. Non, je n'ai pas encore faim. Non, bon appétit. Tu as besoin de beaucoup d'eau? Non, ça va. J'aime la manière dont tu savoures ta nourriture. Mon roi, l'amour de ma vie, je t'aime pour toujours. Puis-je t'aider à manger? Non, ça va comme ça. Ok. Mon roi, est-ce que ça va? Oui. Tu en es sûr? Je veux bien. Tu es sûr que ça va? Je veux bien. Ok, j'espère que tu vas bien. Je bénis les lieux de notre terre. De ce que je suis ici avec toi dans ma maison. Je le remercie aussi de t'avoir fait voir que je suis digne de faire partie de la royauté. Tu ajoutes toujours un plus sur la joie que j'ai toujours eue, étant donné que tu es l'une de mes femmes aujourd'hui. Et tu m'as redonné les sourires que je perdis il y a longtemps. Tu as restauré la joie que j'avais perdue sur mon visage. Ce visage avait oublié les sourires. Merci pour l'accès que tu m'as donné. Et merci de porter ton choix sur moi.
Alors, finalement, cette fille grosse et aveugle est finalement entrée dans ma demeure et elle est légalement et traditionnellement mariée. Je ne peux pas être en vie et la voir heureuse. La fête a commencé. Oui, Hugo. Et je dois te remercier pour ça. Merci beaucoup, Hugo. Merci de devenir mon ami. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai vraiment apprécié. Ah, ce n'est pas grave. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je remercie le Dieu de t'avoir aidé, de vous avoir libéré de l'esclavage. Je veux dire, c'est cachotterie. Je le remercie aussi. Et je te remercie plus. Hey! Qu'est-ce que je suis en train de voir? Y a-t-il encore une chose qu'on ne peut pas voir dans ces palais? Que fais-tu sur mon lit conjugal? Ah. Lolo. Mon mari m'a demandé de venir l'attendre dans la chambre. Alors, j'attends juste que mon mari arrive. Pardon? Lève-toi sur ce lit avant que je te le fasse regretter. Je ne vais pas crier. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tu essayes de l'embarrasser? Je suis venue passer la nuit avec mon mari dans sa chambre. Et je l'ai vu en train de dormir ici. Toi là, tu n'as pas honte de toi-même. Tu es venu ici passer la nuit avec ton cher mari, c'est ça? Pendant combien d'années as-tu passé de nuit avec moi ici? Combien de fois nous avons été dans ce lit, toi et moi? Mais qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Est-ce que tu ne pouvais pas la mettre là? N'essaie pas de me provoquer, oh. Tu me connais. Si seulement je n'étais pas le gardien de la tradition de ce royaume, je peux faire n'importe quoi. Maintenant, sors d'ici. Laisse-moi tranquille. Je ne pars sors pas. D'ici. Sors d'ici. Je ne sors pas. Sors d'ici maintenant. Sors d'ici. Sors. Va-t'en. Ah, tu es vraiment en train de me chasser. Sors d'ici. Tu es vraiment va-t'en en train de d'ici. Me mettre dehors. Sors. Je dis va-t'en d'ici. Tu m'humilies à cause d'elle. N'ose pas me provoquer, ok? Tu as chaud? Est-ce que mon fils a chaud? C'est bon. L'œil des dieux. Votre Majesté. J'aimerais apprécier les dieux de nos ancêtres de m'avoir libéré de tous les liens démoniaques de ces démons. Qui voulait ruiner tout le bonheur de ce royaume. Il y a une vache là-bas d'ailleurs. Et 22 bassins d'igname. 5 sacs de riz. 5 poulets encore en vie. Et 20 litres d'huile de palme. Juste pour dire merci. Merci beaucoup, Votre Majesté. Votre bonne foi sera récompensée par le Dieu de nos terres. Ici. Ah. Eva? Eva? Votre Majesté? Viens, s'il te plaît. Votre Altesse. Tout ce que je t'avais dit qu'il fallait donner au Dieu. S'il te plaît, rassure-toi qu'il soit bien amené au temple. Oui, Votre Altesse. Merci. Votre Majesté,
et que le Dieu vous en restitue au centuple. Il sait. Qu'est-il passé dans le rêve? Un terrible rêve. Très bien, dis-moi, que s'est-il passé? Non, mon roi. Je crois que notre Dieu nous protège. Comment va mon fils? Il va bien. Et toi-même? Je vais bien. Très bien. Très bien, tu peux dormir. Viens, dors. Désolé. Attends. Vas-y, doucement. Merci. Voici le pain, mange. Il faut que tu finisses ton thé. Mange.
Mes salutations, Sa Majesté. Ah, bonjour, Lolo. Comment vas-tu ce matin? Je veux bien. Et comment va notre prochain roi? Il va bien. Ok. Tu veux dire que tu ne ressens rien dans ton système corporel? Pas du tout. Ok. Tu sais, j'étais juste inquiète et je voulais savoir comment allait ma deuxième reine et notre futur roi aller. Tu sais, et... Que le Dieu soit loué de ce que vous allez tous bien. Il sait, tu sais, Dieu nous protège. Il sait... Ah, ok. Qu'en penses-tu recevoir notre prochain roi? Notre futur roi. Quand est-ce qu'il arrive? Très bientôt. Waouh, très bientôt. Mm-hmm. Ah, hey, ce serait vraiment merveilleux, oh. Wanyoma. Merci. Ok. Je te reverrai plus tard, d'accord? Je te venais juste voir comment tu allais. Merci. Je t'en prie. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, Votre Majesté. Et mon fils? Ton bébé se porte aussi bien. Je suis venue te dire que je dois aller à ma consultation prénatale parce que le bébé est déjà prêt à sortir. Oh, gloire soit rendue à nos dieux. Ils ont choisi de me faire cette faveur et de mettre un grand sourire sur mon visage. Tu sais, je ne peux plus attendre que ce bébé arrive. Je suis impatient d'entendre les cris d'un bébé dans ces palais. Et ce cri-là sera vraiment un cri de joie. Et à ce bébé qui va donner ce cri, ce trône-là lui sera donné. Merci infiniment d'être venu dans ma vie. Je remercie Dieu. Veux-tu un peu de vin? Non. Et un peu de jus? Ok. Et probablement un petit tour avec moi. Garde! Garde! Donc, après tous mes efforts, cette fille folle et aveugle est toujours en vie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oh? Cela veut dire que le poison n'a pas du tout fonctionné. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Ok. Je vais encore réessayer. Le plus vite que possible. Est-ce que tes jeux ne sont pas encore finis? Alors, n'est-ce pas encore le moment pour toi de leur dire la vérité? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que dis-leur la vérité que tu n'es pas une aveugle. Et mais en fait, dis aussi à Sa Majesté qui est responsable de cette grossesse. Et à qui appartient cette grossesse? Maintenant, tu es en train de me demander? Bien sûr que je suis responsable de cette grossesse. Que la foudre s'abatte sur la bouche que tu utilises pour dire de bêtises. N'ose même plus me parler de toutes ces bêtises. Sais-tu qui est supposé être le futur roi de ce royaume? Le sais-tu? Écoute, ça c'est sa maison. C'est ce qui l'appartient. Quant à toi, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as qu'à prendre tes affaires et retourner d'où tu viens. Écoute, fais attention. Je vais t'exposer bientôt. Fais attention. Ok, vas-y. Et prépare-toi pour tes actes. Parce que tout le monde ici saura ce que tu as à voir avec la reine. N'oublie pas que je détiens tes vidéos.
Pascal et Vera, aujourd'hui serait votre dernier jour. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Il n'y a pas de quoi, mon amour. Mon roi, oui. Est-ce que tu as aimé la nourriture? Oui. Merci beaucoup. Et toi, as-tu aimé la nourriture? J'ai aimé, merci. Mon roi, pourquoi est-ce que tu la touches comme ça? Est-ce que tout va bien? Oh oui. Vera? Tout va bien. Tu vas bien? Doucement, informe-moi si quelque chose ne va pas. Tout va bien. Je suis confuse et je deviens de plus en plus frustrée à cause de tout ceci. J'ai tout essayé pour mettre cet aveugle hors de mon chemin. Tu ne sais pas comment je me sens quand je le vois. Il m'énerve. Oh, Votre Majesté, quelles sont les stratégies que vous avez essayées? J'ai essayé d'empoisonner leur nourriture. Ils l'ont mangé et savouré, mais rien ne s'est passé. Je ne sais plus quoi faire encore. Votre Majesté, êtes-vous sûre que personne n'est là pendant que vous préparez la nourriture empoisonnée? Oui, j'en suis sûre. D'ailleurs, personne ne peut entrer dans cette pièce sans pour autant être invité. Je suis vraiment confuse et je suis en train de suspecter cette fille. Je crois qu'elle doit être une sorcière. Hein? N'êtes-vous pas sûr que j'ai rencontré la sorcière avant? Qu'est-ce que tu dis? Sa Majesté, je... ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose à faire. Nous verrons encore. Hugo, c'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, je l'avais déjà deviné. Hey, écoute. Il est grand temps que tu arrêtes toutes ces blagues et que tu dises à Sa Majesté que tu n'es pas aveugle. Sinon, je le ferai moi-même. En tout cas, vous devez faire très attention avec moi. Eva, tu n'as pas le droit de me dire quoi que ce soit. Je vous ai tous entre mes mains. À part tes stupides vidéos, j'en ai aussi où elle est en train d'empoisonner le roi. Nous avons tous les dés et les preuves contre vous. Sachez que vous dés, vous êtes vraiment foutus. Nous t'attendons juste que tu le fasses et puis, le match va commencer. Bien. Bien. Tu peux vivre avec qui tu veux, ce n'est pas mon problème. Je ne suis plus intéressé, mais s'il te plaît. Mais tu dois quand même dire à Sa Majesté que cet enfant que tu portes m'appartient. Eva, tu ne peux pas manger les gâteaux et l'avoir encore. Vera m'a tout raconté. Je ne sais pas pourquoi tu es si méchant. Pourquoi tu es sadique. Écoute, Ikodi et Djuko, ton plan a échoué. Au moment où nous parlons, tu vas échouer. Écoute, Eva, fais ce que tu veux. Tu m'as entendu? Fais ce que tu veux, je t'attends. Toi.
ce monde est méchant. Ok. Lolo, est-ce que ça va? Lolo! Lolo, est-ce que tu as besoin d'eau? Servante! Servante! Lolo, servante! Lolo, servante! Servante! Lolo! Mais... servante! Quelle peut être la signification de ces rêves? Ça veut dire que cette fille veut aussi me tuer? Cela veut dire que les dieux veulent me combattre? Impossible! Je ne mourrai jamais jeune. Je ne mourrai pas si jeune. Garde! Où êtes-vous de malade? Garde! Mon cher, c'était un rêve terrible. Je t'avais dit que cette fille est une sorcière. À part le fait qu'elle soit aveugle, elle est aussi après ma vie. Hey! Cette fille est vraiment méchante. C'est fini pour toi. Elle s'adresse à qui? J'avais dit à mon mari que cette fille est un péché. Je lui ai dit, mais il ne voulait pas me croire. Une petite correction. Je ne suis pas cette fille. Je suis l'épouse royale, comme toi. Et la mère du prochain roi de ce royaume. Chose que tu n'as pas pu faire. Je suis la seule dans ces palais. Alors, il serait mieux pour toi de m'appeler Sa Majesté. Juste comme toi. Sivera est difficile à prononcer. Donc, mon mari t'a aussi parlé de notre problème de conception. Et tu as aussi le courage de se moquer de moi à ce propos. Il n'avait pas besoin de me dire. Il n'avait pas besoin de me dire que tu stérile. Hey! Comment peux-tu m'insulter? Hey! Dis-moi que tu plaisantes. Dis-moi que tu n'es pas sérieux. Eva, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Parle-moi, ou tu as besoin d'un médicament? Je veux bien, Votre Majesté. Tout ce que je vous ai dit ne sont pas de blagues. Ce sont des faits. Cette dame que vous voyez là, elle n'est pas aveugle. Aïe. Elle voit toutes choses au-delà de votre imagination. Et mais d'ailleurs, en fait, sa grossesse m'appartient. Si vous voulez toujours que je le prouve, je suis prêt pour un test ADN. Dieu de cette terre! Eva! Pourquoi m'as-tu vraiment caché toutes ces informations pendant tout ce temps? Comment? Votre Majesté, vous ne pouvez jamais comprendre. Tais-toi, je suis vraiment fâchée en ce moment. Sais-tu que cette information est tellement frustrant, non seulement lui permettant d'entrer dans ses palais, sans ajouter qu'elle est devenue reine. Sais-tu cela? Vous ne pouvez pas comprendre, Votre Majesté. Par le fait pour moi de l'avoir violée et de m'être enfouie, c'est assez de raison pour que je garde silence dans ses palais. Cela ne veut rien dire du tout. Tu devais savoir que j'ai fait de tout mon mieux pour te garder ici. Je ne m'étonne pas qu'elle soit audacieuse. Je ne m'étonne pas. Qui sait si elle a vu toutes nos atrocités? Qui le sait? Certainement, elle les a toutes vues. Hey! Et elle m'a d'ailleurs parlé de tout ça. Tout va très mal. Elle s'est déjà installée. Qu'allons-nous faire? Ok, tu y as un rôle à jouer ici.
Tu dois réclamer ton enfant. Le roi n'aura plus le moyen de rester à ses côtés. S'il a besoin d'un enfant, il doit aller adopter au lieu d'aller près de cette fille. Votre Majesté, vous devez faire attention avec tout ce que vous exposez là. Ou sinon, elle va nous clouer avec toutes nos informations qu'elle a pu rassembler. Juste sois prête à avouer tout ce que tu viens de me dire maintenant. Sois prêt. C'est tout ce qui s'est passé. Excuse-moi. Mais, tu parles de quoi exactement? Tu peux me voir? Oui, votre majesté. Alors pourquoi tous ces cinémas depuis tout ce temps? Votre majesté, tout ce que je vous ai dit me concernant n'était rien d'autre que la vérité, excepté mon faux aveuglement. J'ai utilisé cette stratégie juste pour survivre. Et c'est-tu la seule stratégie que j'avais trouvée pour m'approcher de toi? Je suis désolée de te décevoir. Et Eva, qu'est-ce que cet homme t'a fait? Eva! Non, ne t'inquiète pas, je peux bien le porter. Eva, laisse-moi t'aider. Non, ne t'inquiète pas. Va devant, ne t'inquiète pas, je vais bien le porter. Ne t'inquiète jamais. Je te dis, ne t'inquiète jamais pour ça. Comme ça, je vois là. Ne sois jamais dérangé. Je vois là. Regarde un peu ces gens. Dans la tête d'Eva, il pense qu'il a vu. Et qu'il a vu un ange. Hey! Hé, l'autre là, regarde. Il pense qu'il vient de couper une grosse viande de bouche. Regarde-le. Hey, mon gars, pas comme ça. À part moi, j'ai perdu mon ami. Il faut que j'aille trouver un autre ami. Ah, c'est ça la vérité. Oh. Je vais chercher un autre ami. Regarde. Ce gars n'est pas bon. Hé, Nera. Écoute. Je suis très heureux que tu m'aies accepté finalement dans ta vie. Même si je sais que tu m'accordes peu de temps. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Le problème, c'est que je ne crois pas vraiment aux hommes. Parce que tu sais ce que les hommes font aux femmes. Les hommes sont vraiment méchants. Mais de toutes façons, merci d'être là pour moi. Tu n'as pas à le mentionner. Ne le mentionne pas du tout. Écoute, c'est moi plutôt qui devrais te remercier. Parce que je t'aime énormément du plus profond de mon cœur. Et je suis prêt à mourir pour toi. Sincèrement parlant, je jure devant Dieu. Parce que je t'aime énormément du plus profond de mon cœur. Et que je suis prête à passer le reste de ma vie avec toi. Je jure devant Dieu. Vraiment? Tes parents seront d'accord. Parce que tu sais comment tous les villages me voient. Ils ont un regard très étrange envers moi. Ne t'occupe pas d'eux. Ont-ils de sens? Écoute, laisse-moi te dire la vérité. Toute belle fille semble être une paria à leurs yeux. Mais aussi longtemps que je suis concerné, je suis un homme ténace. Je tiens à mes propres décisions. Écoute, je t'aime, ne t'occupe pas d'eux. Écoute, laisse-moi un peu t'éclaircir. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Et ton existence est un mystère devant moi. Hein? C'est ce que tout le monde doit comprendre. Ah non, je comprends. Je suis un homme qui comprend très bien. Mais aussi longtemps que je suis concerné, tout le monde dans ces villes sait que je suis un homme de très bonne compréhension. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Hein? Très belle fille, je suis si heureux que je suis avec toi aujourd'hui. Ah, finalement tu peux sourire avec moi. Je viens de penser à ça. N'essaies-tu pas? Ou as-tu déjà oublié que mes parents sont décédés? Ah, hein? Ok, j'avais oublié. Ok, maintenant là, il n'y a pas de problème. Orphelin avec une orpheline. Hey, orphelin face orpheline. Et même si c'était en vie, hein, il ne pouvait pas m'empêcher de gérer une très belle fille comme toi. Il ne pouvait pas m'empêcher. Laisse-moi te dire très bien, Vera, laisse-moi te dire une chose. Sais-tu que le genre d'amour que je porte pour toi
Je suis prête à mourir avant que tu ne meures. C'est de cette manière que je t'aime. Oh, c'est bien. En fait, hein, tu sais, nous devons quand même commencer avec ça. Mais lorsque j'aurai de l'argent, je te trouverai un climatiseur. J'ai une surprise spéciale pour toi. Tiens-toi juste là. The very first time when I saw you around, you only said hello and I said hi. Then I knew right there you were the one. And I was cut up with a visible attraction. But to my satisfaction, baby, you were more than that. And if I ever fall in love with you, baby, and I will be sure that you're ready. Oh! S'il te plaît, assois-toi, ma chérie. Mets-toi, ma chérie, s'il te plaît. Ok, chante encore. Que je chante à nouveau. Voilà. D'accord. I can sleep last night. I turn to turn. Listen on the telephone. And I got your calling. Ask my dad. Can't even call my name. And as a matter of fact, you blew my mind. You couldn't talk to me. I don't girl like you. A dream comes true. A little of fantasy. Non, mais tu vois comment c'est merveilleux. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Juste à l'instant où je t'avais vu, je ne pouvais plus me retenir. Comme tu peux le constater, toute femme dans ces villages m'aime. Mais je me suis dit, non, jamais, je ne peux pas être en relation avec une fille. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Mais à l'instant où je t'avais vu, je me suis rabaissé à la princesse. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu punit la pauvreté. Oui, et je ne vais jamais permettre que la pauvreté vienne près de toi. Au nom de Jésus, écoute, ce serait mieux que je meure à trouver de l'argent pour élaguer cette merde à tes côtés. Tu vois que j'ai la couleur rouge? Cette couleur rouge est le feu. Le feu pour le feu. Écoute, je suis prête à mourir pour toi. Juste pour me rassurer que tu profites de la beauté de la vie. Hey, écoute, tu peux voir comment je suis prêt pour prêt. Je suis prêt pour la réjouissance. Et je veux que je te réjouisse mieux que moi d'ailleurs. Tu sais, tu mérites le meilleur. La beauté en personne, tu es tout ce que je désire dans cette vie. Est-ce que tu comprends? Et même Dieu sait que tu mérites le meilleur. Oui, en tout cas, je te dis la vérité. Hey, voilà la très belle fille, la très très belle, la très très belle. Bonjour, bon après-midi. Papa. Bonsoir. Bonjour papa, bonjour. Alors, Tim, oncle, qu'est-ce que tu fais à présent avec ces garçons? C'est mon ami oncle et nous avons une relation. Avec ces garçons? Hein? Ah. Mais Tim, même si tu dois les faire, est-ce que ça se fait en public? Est-ce que ça se fait en plein air que tout le monde peut voir? Je suis désolée, oncle, c'était une erreur. Ah. Alors, Tim. Oncle. Alors, Tim. Tim, je t'appelle. Tu as déjà oublié la condition dans laquelle tu te trouves? Tu as oublié les circonstances après ton accouchement? Ah, Tim. Oncle. Tim. S'il te plaît, écoute et écoute parfaitement bien. Ne te permets pas de faire les bêtises avec n'importe qui. Est-ce que tu comprends?
Ok, oncle. Ça va, apporte-moi de l'eau à boire. Fais vite. Vite, vite, Vera. Eva. J'ai vu comment tu es sérieux avec cette histoire de cette fille appelée Vera. J'ai vu combien tu es sérieux avec elle. Arrête de suivre cette fille. Cette fille-là n'est pas à toi, alors il faut déjà l'oublier et aller chercher une autre fille. Tous les efforts que tu fais là seront finalement vains. Hein? Tu ne fais que perdre ton temps, mon ami. Le temps, c'est de l'argent. Attends, hein, mon attends, ami, écoute-moi. Attends. C'est quoi ton nom? C'est Obi, non? Tu as déjà oublié mon nom. Hein? Écoute, je ne crois pas que tu agis comme Obi de ton père. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est comme si tu ne me connais pas, Obi. Que veux-tu dire par tout ce que tu es en train de me dire? Écoute-moi, laisse-moi te dire. Es-tu nouveau dans ce village? Es-tu nouveau? Tout le monde ici dans ce village sait que cette fille-là est une sorcière. Et toi, c'est là-bas que tu vas. Ça ne marchera pas. Ah! Ah! Je t'ai dit, Ferme ta bouche! Il me semble que tu ne me connais pas, Qui es-tu? Dis-moi, Écoute, je suis c'est Eva qui peut tout. Dans tous ces villages. Ah oui, c'est ça. Écoute, je veux me rassurer qu'elle m'appartienne parce que je suis le genre de personne qui n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Ah oui, continue. Observe-moi, non? Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre? Hein? Cette fille-là, elle est difficile à avoir. Ah, ah. Alors tu ferais mieux d'aller chercher une autre personne. Aussi longtemps que je suis concerné, je suis la seule personne qui puisse atteindre cette fille. Aussi longtemps que je suis concerné, je vais atteindre cette fille. Je veux la prendre. Écoute, laisse-moi être franc avec toi. Cette fille, aussi longtemps que je suis concerné, je veux lui montrer de l'amour. Est-ce que tu me comprends? L'amour. Il y a quelque chose dont tu ignores. Il y a quelque chose dont on dit souvent, le preuve de l'amour. Je vais lui montrer ce genre d'amour. Elle n'aura pas d'autre choix que de me suivre. Toi l'amour, tu es sûr? Je suis un homme des grands objectifs et j'obtiens toujours ce mais que je veux. Mais t'inquiète pas. Laisse-moi être franc avec toi. Écoute, peu importe où elle se trouve, je vais fourrer ma tête là-bas et je vais mourir pour elle. Tu vas mourir là-haut. C'est toi-même qui l'as dit. Observe-moi, je vais la prendre. Tu te mets dans un problème là. Quel problème? Es-tu ce meurtre de trou? Il n'y a pas de problème. On est là. On va voir. Écoute, arrête un peu de me parler de toutes ces choses. Tant que tu me vois là, je suis préoccupé à comment est-ce que je peux acheter le climatiseur pour cette fille. Climatiseur? Arrête alors de me parler de toi. Climatiseur, toi là? As-tu un climatiseur chez toi à la maison? Mais tu vas l'acheter pour cette fille. Est-ce que ça te concerne? Ce n'est que des touristes qui ne peuvent se sacrifier pour l'amour qu'ils ont pour d'autres personnes. Mais ils préfèrent se sacrifier pour eux. Alors arrête d'agir comme un touriste. Qu'est-ce qui n'est pas avec toi? Tu ne comprends rien. Terroriste. Cette fille-là va te mettre dans des problèmes. Donc, tu ne vas jamais pouvoir sortir. Elle ne me causera aucun problème. Elle ne va me causer aucun problème. Est-ce que tu m'entends? Alors laisse-moi juste comme je suis. Laisse-moi. Je suis ton ami, Quel ami? Je suis ton ami, Observe-moi et vois, non? Je ne sais pas ce que j'ai dit, Observe-moi et vois, Obi. Concernant cette fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, arrête de m'irriter. Je t'ai déjà averti. Tu ne veux pas m'écouter, c'est ton problème. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne connais pas. De bons gars comme moi sont des gars qui la méritent. Et c'est même pourquoi je me rassure de toujours prendre mon bain chaque une heure après. Et d'ailleurs, pour te dire vrai, j'ai passé beaucoup de temps ici. Alors laisse-moi prendre un autre bain. Et d'ailleurs, toi là, tu ne sens pas bon. Je te dis vrai. Je n'ai pas besoin d'un ami comme toi. Moi, je sens. Laisse-moi aller prendre mon bain. Je reviendrai pour elle. Il n'y a pas de problème, allons-y. Eva, je t'avais dit, je n'avais rien à faire avec un homme avant. Tu es la première personne à qui je tiens une relation. Eva, juste donne-moi un peu de temps. Mais quel autre temps veux-tu que je t'accorde? Hein? Quel autre temps veux-tu que je t'accorde? Sais-tu que je suis un homme? Hein? Est-ce que tu sais les genres de douleurs que je ressens dans ma colonne? Eva, je dois me préparer. Je ne suis pas prête. Je perds. Eva, si tu m'aimes, essaye de patienter. Oh, tu dis aussi que je t'aime. Mais tu ne veux pas réciproquer ton amour envers moi? Hein? Oh, mais quel genre de patience veux-tu? La patience, d'où est-ce que ça vient? Pendant que tu ne veux pas que je profite de ce genre de patience et me permettre que je profite aussi comme étant un homme. En bref, je ne comprends pas tout ça. Alors je m'en vais. Eva... Laisse-moi, je préfère m'en aller. Eva, s'il te plaît, attends. Moi, je m'en vais. Tu peux trouver une autre personne qui pourra attendre. Eva! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Eva, s'il te plaît, attends, non? Pourquoi tu te fâches? Ok, je suis désolée. Hein? Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Hein? Jusque maintenant, hein, une belle fille comme toi, jusque maintenant, rien ne s'est fait. Et tu me dis aussi que je ne dois pas être en colère. N'est-ce pas une grande raison pour être en colère? Eva, je n'apprécie pas ce que tu es en train de dire. La façon dont tu me parles, comme si tu ne m'avais pas vraiment aimé. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je n'ai pas versé assez d'amour sur toi? Tout ce temps que j'ai investi en toi,
Je t'ai donné tout mon temps, je t'ai donné de présent. Et tout ce temps que j'ai investi en toi, que d'autres filles n'ont pas su profiter de ce temps. Je te l'ai donné. Et tu dis que ce n'est pas une grande raison pour que je t'éprouve d'amour. Eva, je t'ai dit que je ne suis pas encore prête. S'il te plaît, essaye d'être patient. Je dois être patient, hein. Pas de problème. Je continue à être patient, c'est pourquoi je m'en vais, non? Voilà, regarde. Ce garçon ne veut pas comprendre. Je lui ai bien dit que ce ne sera pas facile avec cette fille. Il n'y a personne partout dans ce village que cette fille va accepter. Et tu es là, non, moi, cette fille, avec moi, elle va accepter, elle va comprendre. Et tu penses que tu es intelligent. Garçon intelligent. Voilà comment il marche. Et voilà. Hiu, Uniera. Voilà, vraiment, un fou toi. Regarde comment il fait, regarde-le. Hey. Pas de problème, je vais attendre. Eva. Non, pas de problème, laisse-moi attendre, je vais attendre, je suis d'accord. Eva. Très belle fille. Qui est là? C'est Eva. Eva. Comment vas-tu? Je veux bien, je viens de prendre une douche. Tu viens de prendre ta douche? Oui, j'arrive. Est-ce que ton oncle est là? Non, j'arrive. As-tu un panne sur toi? Eva, je dis que je viens de prendre une douche. Oh, j'ai emmené un très bon cadeau pour toi. Je t'ai amené un très joli parfum. Ok, donne-moi juste 10 minutes. Non, 5. Mais ton oncle n'est pas là. Non, Eva, j'arrive. C'est bon, alors laisse-moi te donner ces parfums. Eva, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais juste te donner ces... S'il te plaît. Vas-y doucement. Je vais juste te donner ces parfums. Il n'y a que toi Eva, et moi. S'il te plaît, sors. Tu le vois très bien. Je vais m'habiller. S'il te plaît, calme-toi. C'est moi, Eva. Tu vas adorer. Eva, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'adorer. Calme-toi. Eva, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et sors. Je te jure que tu vas aimer. Eva, s'il te plaît, arrête. Calme-toi. Allez, arrête ça. Ne crie pas. Ne me touche s'il te pas. Plaît, arrête Allez, de crier. Ne me touche pas. Eva. Allez, ne me touche pas. C'est quoi ça? Eva, arrête. Non. Tu aimes ça? Non, je ne veux pas. Calme-toi. Ne fais pas semblant comme si tu n'aimes pas ça. Arrête. Ne fais pas semblant que tu n'aimes pas ça. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, crie doucement. Arrête ça. Hey. Alors, Tima, tu es grosse. C'est ça, Tima. Qui t'a rendu grosse? C'est à toi que je parle qui t'a rendu grosse. Hé, hey, Tima m'a tué. Hey, Tima m'a tué, oh mon Dieu. Qui t'a fait ceci? Regarde-moi. Regarde ce que nous vivons, regarde la maison, regarde dans la cuisine, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Oh mon Dieu, Tima m'a tué, oh.
Alors Tima, tu es mon dernier espoir. Alors tu m'as fini, Tima. Hé, hey, mon Dieu, comment c'est arrivé? Alors Tima, c'est à toi que je parle, réponds-moi. Je suis fini, oh. Aide-moi, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je suis totalement fini. Alors, Tima, tu veux dire Eva t'avait violée? Oui, oncle. Il m'a violée. Eva, non, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Non, jamais je ne peux tolérer ça. Je ne peux pas accepter que ma nièce soit violée par un voyou. Non, ça ne peut pas se faire. Non! Pourquoi ça, mon Dieu? Ah, Jésus! C'est quoi? Oncle... Pourquoi es-tu habillée comme ça? Oncle, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Alors, je pars chercher de l'aide ailleurs avant de mourir ici. Mandier? Oui, Mandier. Mais pourquoi tu veux te faire passer pour une aveugle? Parce que l'aide viendra plus vite. Ah, Tima. Les dieux ne t'ont pas créé une fille aveugle. Oncle. Oncle, je vais juste faire quelque chose. Les gens auront pitié d'une femme aveugle, oncle. Je n'ai pas le choix. Je suis fatiguée. Je m'en vais, oncle. J'étais très surprise de voir Eva au palais. Après tout ce qu'il m'avait fait. Votre Majesté, je suis désolée si je vous ai monté sur ma vie. Sinon, tu n'allais pas me connaître. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais, je suis contente de me marier avec toi. Où est-elle? Oh, tu es là! Tu vois comment je t'ai eu? Donc tu pouvais voir et tu as prétendu être aveugle. Tu vois ta vie? Regarde celle que tu as menée ici comme femme. Une fille avec une vie remplie de mensonges. Arrête ce que tu dis là! As-tu perdu la tête? Ne peux-tu pas voir ceci? Elle n'était pas aveugle! Il faut te taire! Ok, tu vas confesser un jour. Va de l'avant et dis-lui de qui est cet enfant que tu gardes. Dis-le-lui. Tais-toi. Ferme-moi ta bouche. Sans aucune goutte de peur, tu avais une liaison avec ma femme sous mon nez. Et toi, tu savais tout ça depuis tous ces temps. Et tu ne m'en as jamais parlé. Je suis désolé, Votre Majesté. J'ai gardé silence par crainte d'une conspiration. Les allégations et des renvois étaient devenues des monnaies courantes ici au palais. On renvoyait des gardes et des servantes. Alors tu t'es senti mal que tu devais... commencer une liaison avec une de mes gardes. Je suis désolée, mon roi. Je t'ai prie de me pardonner. Et même toi, Raph. Votre Majesté, honnêtement, je l'ai aussi appris. Mais j'avais peur de ne pas vous le dire pour ne pas déranger votre humeur. Ma propre reine, ma femme, a décidé de coucher avec une garde du palais. Je suis désolée, mon roi. Pardonne-moi, s'il te plaît.
Hey, Aro, abomination. C'est ce que tu as commis, un sacrilège. C'est vraiment malheureux et pas croyable. Votre Majesté, je suis profondément désolé pour ce que j'ai fait. Mais, puis-je vous demander une faveur, s'il vous plaît? Est-ce que je peux récupérer mon enfant? Que la foudre s'abatte sur toi pour ne jamais me parler. De quel enfant tu parles? Après m'avoir abandonné, c'est ici qu'il appartient. Même dans ma prochaine vie, je n'aurai rien à foutre avec un homme comme toi. Ça ne sera pas possible que tu ailles cet enfant. Ça ne sera pas possible. Hey! Je ne sais même pas si c'est que ce truc fait sur ta tête. Ne mesurant pas la portée de l'acte que tu as commis, alors tu vas subir les conséquences. Tous les membres de ta famille, ainsi que tous les anciens qui pouvaient venir de ta famille, seront vraiment punis par ce que tu viens de commettre. Et tu t'arranges de demander cet enfant. Quelle est la faute que ça batte sur toi? Yves, peu importe comment tu t'appelles, tu n'as pas du tout même moindre conscience. Est-ce que tu as la conscience? Vu tout ce que tu as fait, tu as l'audace de demander l'enfant. Hein? Âme inconsciente. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je te fais de mal? Je t'ai épousé, je t'ai comblé de beaucoup d'amour. Je t'ai protégé. Pourquoi me trahir comme ça? Mon roi, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis sincèrement désolée. Et pour empirer tout cela, tu voulais me tuer. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Garde. Oui, Majesté. Mon roi, je suis désolée. Oui, et partez. Pardonne-moi. Allez-y. Pardon. Allez-y. Oh non, s'il te plaît. C'est fini comme ça. Non, mon roi. Mon roi, s'il te plaît. Allez-y. Même les chiens au palais en train de chercher à les chasser. Une mauvaise, une sorcière. Oui, allons à l'intérieur. Allez, viens. On y va, ma belle. Les dieux de nos ancêtres m'ont finalement fait sourire et ils m'ont aussi donné un nouvel amour et de la joie dans mon cœur. Je ne pourrais pas le remercier assez. Je ne peux pas imaginer qui est mon amoureux en ce moment? Le roi. Et c'est toi. Mon cœur sera toujours à toi, mon roi. J'ai vraiment hâte que notre fils arrive. Et nous devons déjà choisir son nom. Oui. Tu es fan, papa. Je t'aime tellement, le désir de mon cœur. Je t'aime aussi, mon roi. Il a bougé. Attends. Ok, je pose ta main ici. Ah. Il a dit papa. Je t'aime, fiston. Nous avons hâte de t'avoir ici. Moi, vous me connaissez, moi, vous me connaissez. Vous me. O caro bunago. E kenen yene meli yibe, kenen mi yine meli yibe. Amu wure na neku. Asina mba takere kan una sa na fo na fo. Asina bo sindi ngoka aja bamba. Otem no bi otem no motem wa otito nyo nu. Obuto obute. E kwenu zu ma ndeke. Banu zu no yi. Banu zu na. Banu zu na nko. Akuna no nko. Akuna ati te shiri. Abuda kan ajo bo sin kata yu akok yu enwe enwe. C'est un malin de babanjou, eh bien. Les autres. Parce que c'est un peu comme ça. Tu as des chats, comment faire des bois?
Que veux-tu que je fasse au roi Pascal? Je veux que lui et Vera meurent. Et toi alors? Hein? Je la soutiens. Je la soutiens. Soyez le bienvenu au grand esprit de Ouellet. Merci. Mais vous devez savoir une chose. Des choses sont impliquées dans la vie. C'est soit tu gagnes ou tu perds. Je t'aime beaucoup, mon fils. Nous avons vraiment hâte de t'avoir. C'est fait. Merci. Merci. Hey! Je vous avais bien dit. Hey! La vie implique deux choses. C'est soit tu gagnes ou tu perds. Même toi. Hey! Tu vois? Je ne peux pas voir. Monsieur, c'est bon. Je vous ai pardonné. Je vous ai tous les deux pardonnés. Que le Dieu vous pardonne aussi. Merci. 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 Ce monde est vraiment compliqué. Qui pourrait savoir qu'un jour, la reine deviendra aveugle? Garde! Reviens ici! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mes salutations, Majesté. Garde tes excuses pour toi-même! Qu'est-ce que tu es venu faire ici à cette heure de la nuit? Rien du tout, Majesté. Je suis désolé. Je vois tuer ces voleurs que nous avons dans le palais. Pendant que tout le monde dort, tu décides de venir et chercher tout le reste. Non, non, Majesté, je ne suis pas un voleur. Dégage de ma vie avant que je ne perde mon sang-froid. Dis-moi maintenant, comment est-ce que cet argent s'est retrouvé dans ton sac? Je vous jure, Majesté, je ne sais pas comment cela est arrivé. Mon roi, n'est-ce pas la moitié de l'argent que nous avons prise à la banque? Oui, c'est bien ça. Mais ce que je ne sais pas, c'est celui de ta chambre ou celui de ma chambre. Maintenant, réponds-moi. Comment étais-tu entré dans ma chambre pour voler cet argent? Majesté, les dieux sont mes témoins. Je ne suis pas entré dans votre chambre. Croyez-moi, s'il vous plaît. Mensonge.
Tu n'es vraiment qu'un voleur. Maintenant, tu t'es fait prendre la main dans le sac. Tu n'es qu'un voleur. Non, Majesté. Quand on n'a rien retrouvé avec toi, mais dans tes bagages, comment expliquer cela? N'es-tu pas un voleur? Majesté, s'il vous plaît, je vous demande de me croire. Eva, croyez-moi, s'il vous plaît. Comment ces voleurs? Eva, les maîtres. À l'endroit qui... Non, Majesté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Majesté. S'il vous plaît, Majesté. Allez, lève-toi. Non, Majesté, s'il vous plaît. Tu es voleur. Je ne suis pas voleur, voleur, Majesté. Voleur. Croyez-moi. Majesté, voleur. S'il vous plaît. Tu penses que tu peux voler facilement? Et à vous tous ici. La même chose vous arrivera si jamais vous osez vous comporter de cette manière. Partez à vos occupations. Emeka. En tout cas, ça me dépasse. Oh, bonjour, messieurs. Il m'a été demandé d'amener ces deux hommes ici. Ils ont dit qu'ils vous ont offensé. Jeune homme, qui es-tu? Je m'appelle Mr. D. Je viens de ce village ici. Comme vous pouvez les voir, ils sont tous aveugles. Je vous prie donc de pouvoir les écouter. Ils ont à vous dire. Oh non! Oh non! S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh! Pardonne-moi d'avoir essayé de te tuer. S'il te plaît. C'est les œuvres du diable. Oh non, s'il te plaît, pardonne-nous. Hey! Tu as dû m'amener ces deux hommes abominables et ceux dans ma parcelle, c'est vrai ça? Après tous les sacrilèges que vous avez dû commettre au palais, vous avez les culots de pouvoir amener vos deux sales jambes dans ma parcelle. Et pitié de, je t'en supplie, pardon. Et vous avez même dû essayer de me tuer. Hey, ce garçon ne cessera jamais de m'émerveiller. Ah, Igwe. Oh non, vous nous quittez déjà? Oui, je suis déjà partant. Ok, je vous ai apporté le pain. Oh non, je suis celle qui a fabriqué ce pain avec un ingrédient spécial qui est tellement bon pour un homme comme toi. Oh non, tu ne vas pas regarder comment ça se présente. Écoute. Rassure-toi, tu vas l'aimer. Ceci est le pain que moi et le roi mangeons souvent, à cause de cet ingrédient spécial. C'est la royauté. Pain royal. Je suis aussi une personnalité royale. Oui, tu peux le redire encore. Lolo. Ok, gagnerai si je ne mange pas ce pain de Lolo. C'est vraiment très bon. Alors, n'oublie pas que tu es aussi ma femme, pas seulement parce que tu es Lolo. Pourquoi pas? Je suis ta femme. Ouais, Lolo. Oh non, Wu. Salut ta famille. Vraiment. Oh mon Dieu.
Un peu spécial, venant de Lolo, la royauté. Oh non. Oui. S'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Laquelle, ma chère? Je ne veux pas que tu manges ce pain. Comment sais-tu que j'ai un pain ici? Je sais que tu es aveugle. Oui, je suis je peux le sentir. En fait, je ne veux pas seulement que tu le manges, s'il te plaît. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ce pain, la royauté. Lolo a dû préparer ses spéciales pains pour des gens comme moi. Je sais, Onowu. Bon, ok. Ok, prends, achète-toi un autre pain, mais ne mange pas celui-ci, s'il te plaît. Hey. Ok, comme tu l'as dit, je ne veux pas manger. Je ne mange plus. Merci, s'il te plaît, prends cet argent. Non, garde l'argent. Tu te rappelles que nous viendrons chez toi pour payer la dot et aussi arriver à payer certains droits traditionnels. Si te prendre auprès des tiens et t'amener chez nous, tu deviendras une de la royauté. Tu deviendras maintenant une de nous. Je sais, Ono. Sa Majesté, mon oncle, me l'a dit. Je vais rentrer à la maison après-demain pour préparer votre arrivée. Très bien, très bien, bien. C'est bon. Grand merci au Dieu de nos terres pour nous avoir amené quelqu'un que vous avez jugé de moins importante. Et voilà qu'elle m'a sauvé la vie. Tu m'as donné un pain. Et très bon pour les vieux. Des vieux à mon âge, tu disais des choses comme si tu m'aimais. Ne sachant pas que je te préparais mais tu es toi. Je ne sais pas qui tu es, mais seulement tu appartiens à ce village, donc tu es de ce royaume. Mais je ne sais pas comment est-ce que tu as fait pour ne pas entendre l'acte abominable que c'est des gens ont pu commettre dans le palais. À cause de cette bêtise, ils ont discrédité tout ce qui avait comme pouvoir réservé au trône, mais tu les as quand même amenés ici. De toutes les façons, je ne sais même pas vous ouvrir mon portail. Je ne sais pas. Pour l'amour de nos dieux et nos ancêtres, je vais vous les pardonner. Mais les dieux vont juger vos actes. Mais comme vous êtes venus, d'ailleurs vous m'avez empêché d'aller quelque part, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lorsque vous aurez fini à faire couler vos larmes de crocodile, vous savez par où vous êtes entré. Merci. Merci. Messio. Vous pouvez tous attendre ici. Je vais l'appeler. Ok? Du moment où il va accepter de sortir, vous comprenez? Nous allons lui supplier de vous pardonner tous vos actes. Vous m'entendez? «
Qu'est-ce que vous venez faire ici dans ma maison? Qu'est-ce que vous faites ici dans mon palais? Pardon, mon roi. J'ai dû rencontrer ces deux hommes quelque part et ils m'ont supplié de les amener quelque part, hein? Pour supplier ce qu'ils ont offensé. Comme vous pouvez les voir, ils sont aveugles. Ils ont vraiment besoin de votre aide, pardon. Écoutez-le. Mon roi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-nous. Es-tu là? S'il te plaît, pardonne-nous. Nous sommes allés chez un féticheur pour en fait tuer toi et Vera. Mais... Que veux-tu que je fasse au roi Pascal? Je veux que lui ainsi que Vera meurent. Et toi alors? Hein? Je la soutiens. Et son feu nous a rendus tous aveugles. Et le marabout a dit que nous devons aller nous excuser auprès de tous ceux dont nous avons offensé. Spécialement toi et Vera. Alors nous recouvrirons la vue. Nous avons déjà demandé pardon à tous ceux dont nous avons offensé. Mon roi, s'il te plaît. Je veux qu'il sorte d'ici maintenant. Qu'il sorte d'ici maintenant. Allons-y, allons-y. Je suis plus. Tu souhaites que nous leur pardonnions? Oui, mon roi. Nous vous pardonnons. Et que les dieux vous pardonnent aussi. Merci, mon roi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée. Merci. 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 Qu'est-ce que c'est? Hey! Je peux voir! Oui! Vous êtes sérieux? Je vois! Bien sûr, n'as-tu pas mis une blouse bleue? Tu veux quoi? Hey! Donc c'était toi! C'était toi! Je peux voir! Hey! Mon Dieu! Oui! Je te le dis! Nous sommes actuellement au palais! Et toi aussi! Hey! Moi je m'en vais! Allons-y! Non, moi je m'en vais! Je ne veux plus de problème, je m'en vais! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Bonjour.